Spectatrice de la RTJVA. RTJVA, mais Didipe, nous voilà là, l'on soukounyon nous. Et cette nuit encore, nous sommes devant le Seigneur par sa grâce. Et Zaya Mesereka, qui a tout mon bas, mais nous veuve, mais ami l'ébé n'koumé. Et c'est juste pour conduire une prière de veille et prier. Mien va kouetta, mais soussoube, miak blosan, mais toto. Et je vous estime très heureux cette nuit. Et yem kare di bena, mi le di djom, mais les Zaya me. Et votre vie et le temps que vous aurez à passer cette nuit, sera un temps et une vie merveilleuse. Mia be game kudo mia ba beike mia zan le zan ya me kare di bela nye nou nye toke kake. Et le Seigneur a réservé de bonnes choses pour toi particulièrement. Et yek tohe na odeka apeto dra nou nye odo na o. Et la voix du Seigneur va retentir cette nuit. Et yek apeto be gbela di le zan ya me. Et lorsque ça va retentir, c'est le changement. Et yek nye be gbe di ato troye vana. C'est lorsque ça va retentir, c'est la succession des biens. Ne nye be ebe gbe di la et nou nye odona kare. Lorsque ça va retentir, elle donne la réponse à nos multiples questions. Des questions sans réponse. Et cette nuit, Dieu donne une réponse à tes questions. Amen. Au nom de Jésus, et les caméras célestes sont braquées à Gilgal. Gilgal. Et le thème de notre exhortation est à Gilgal. À Gilgal. C'est-à-dire nous sommes arrivés à Gilgal. C'est-à-dire nous sommes à Gilgal. Notre demeure est à Gilgal. Nous sommes arrêtés à Gilgal. Ce thème est tiré du livre de Josué, chapitre 5, verset 1 et verset 9. À partir du verset 1, nous lisons. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Le verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Joshua tato le metutugba. Esi amorito pesia okata. Amesi o le yodan godo le rejefe gome. Plekananito pesia okata. Amesi o le punu sebena. Yehowa na yodam tila miele Israel viwo ungo. Eye wo tome di gola. Tete di de le wopo. Eye kan le megale ameadeke mele Israel viwo nu o. Kan le mema sireke. Tete Yehowa gblona Yoshua bena. Mede Egypte unkpenda le mianu egbe. Eya ta onanko tepe la be Gilgal vasede egbe. Amen. Jésus, ta parole est merveilleuse et puissante. Yes, wonya, egnon toye nous celle-ci. Celle-là qui apporte un renouveau dans nos vies. Egnon ike hena nyonyo va mia bagbeme. Et booste notre foi. Ayo otutu na mia be hosse. Accéder à une nouvelle dimension. Bena mia gede kokome yeye.
cette nuit encore, Seigneur. Nous voulons te voir en action. À travers ta parole, celle-là que tu as utilisée pour renouveler la vie de Samuel. Et nous voulons, Seigneur, la voir en manifestation dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. À Gilgal. Le Gilgal. Qu'est-ce qui s'est passé à Gilgal? Nous caillons dans le Gilgal. Et qui a mené qui à Gilgal? Aïe, me caillons pour me caillir Gilgal. Et que parlons-nous de Gilgal? Aïe, nous cabons à blâmer le Gilgal. Qu'attendons-nous de Gilgal? Nous camille c'est soit Gilgal mais. Dans la Bible. Les Bibles mères. Des lieux avec des noms significatifs. Te peole, kuto waben kobe gomerere. Dans la vie du peuple d'Israël. Les Israël du quoi bagbeme? Et des chrétiens dans le Nouveau Testament. Aïe, le Christ au tabagbeme le nubabla yeyame. Sont très importants pour être pris en compte. Il y a des lieux maléfiques et il y a des lieux bénéfiques. Ici, lorsque nous entendons parler de Gilgal, nous nous référons immédiatement à Josué qui a mené le peuple. Josué à qui Moïse a donné le témoin. Josué à qui Moïse a donné le sceptre. Josué qui devait accomplir la promesse qui a été faite à Abraham. Josué après la mort de Moïse. Josué le Moïse be kumegbe a été appelé et choisi par Dieu. Maouye yo tien. Et cet homme ayoutuya s'est posé 5 questions si j'ai bonne mémoire. Ewa biase ama tonedo après avoir travaillé sous Moïse, il a vu la rudité du ministère spontané de Moïse. A baissé les bras et assis. Pourquoi est-il assis? La première raison pour laquelle il était assis, c'est qu'il s'est posé la question. Suis-je à mesure de mener à bien cette tâche rude? Deuxième question. Ai-je le courage d'affronter ces groupes ethniques? Troisième question. Comment faire face à l'opposition venant des Israélites qui murmuraient contre Moïse? Quatrième question. À quel titre suis-je choisi pour réaliser cette promesse faite des années par Abraham et cette promesse que Moïse a commencé n'a pas achevé? Cinquième question. Pourrais-je mener à bien ce projet, cette promesse jusqu'au bout? Quitte à Dieu maintenant de répondre en disant: Josué, lève-toi. Passe au Jourdain. Josué a passé le Jourdain avec le peuple. Et a reçu plusieurs promesses de Dieu. Parmi lesquelles nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras sur la terre. Josué, revêtu de cette conviction, se leva et commença par accomplir cette œuvre. Lorsqu'ils sont arrivés à Gilgal, Gilgal était le premier campement d'Israélites. Après avoir traversé le Jourdain et leur quartier général durant la conquête de Canaan. Ce nom signifie ôter le propre, rouler le propre, faire disparaître le propre. Et ce nom rappelle la disparition grâce à la circoncision de le propre d'Égypte. Et dans le verset 1
du chapitre 5 de Josué. Hey, le Joshua tama to hlemetu tugba me. Nous voyons un passage qui peut rendre paniquant ou bien émerveillé d'autres personnes. Mi konu hlemede ikela ten do modina me do e wa do jichona me bubu. Dans le dernier passage du verset 5, le tama tombe kwiki potu me. Jusqu'à ce que nous y soyons passés. Ils perdirent courage. Et furent consternés. Et à l'aspect des enfants d'Israël. Ce qui suppose que l'intervention de Dieu au soudain effraya les Cananéens. Le miracle était tout à fait incroyable. Et d'autant plus marquant. Il était survenu à une époque où le Jourdain débordait de son lit. Et cette démonstration de puissance exceptionnelle de la puissance exceptionnelle s'ajoutait à celui de la traversée de la mer Rouge. Et cela avait comme fondement la délivrance du peuple d'Israël sur le territoire égyptien. Les choses que Dieu aura fait dans ta vie va permettre à tes ennemis de perdre le courage. Amen. Et à Gilgal, il a fallu que Moïse, que Josué érige les 12 pierres pour un monument. Et ce monument était utilisé pour rappeler aux générations à venir la délivrance opérée par Dieu et sa grâce envers son peuple. Nous pouvons voir ce passage dans le chapitre 4 de Josué, verset 19 au verset 24. Dieu disait à Josué, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec, Israël a car l'Éternel votre Dieu a fendu la mer en deux, il a fendu le Jourdain en deux, et les Israélites ont passé à pied sec de tout Jourdain devant toi. Quel que soit son débordement, de son lit, les gens ne peuvent pas passer. Mais toi, tu peux passer. Dieu t'a créé pour que tu traverses le moment difficile. Tu ailles de l'autre bout. Les questions pertinentes de Josué qui ont été posées sans question, sans réponse, ont trouvé des solutions en Dieu. Toutes les bonnes questions trouvent leur solution en Dieu. À Gilgal, qu'est-ce qui s'est passé? À Gilgal, Dieu intime l'ordre à Josué de veiller à ce que les jeunes garçons d'au moins à l'âge de 40 ans puissent être circoncis. Et cette circoncision était une opération chirurgicale spirituelle. Et comment devait-il le faire? Il devait tailler des couteaux en pierre. Et ce couteau en pierre devait représenter le couteau d'aujourd'hui. Avec lesquels on devait couper les prépulsions. Et ce qui était un signe de l'engagement de foi envers l'alliance abrahamique. Puisque Abraham même a été circoncis. Dans un âge avancé.
Et au temps de Moïse aussi. Et le Moïse avec Gamera. Dieu l'a surpris. Maulili. Et sa femme se fera. Et Yestroignon se fera. Était obligé. Est-ce de couper le propice de l'un de ses enfants. Ben Awacho vient de mettre le cabas vanoui. Pour jeter sur lui. Et Awacho fout Bedeya Manti. Et la circoncision. Et Awacho Choa. Était une preuve que les hommes étaient les enfants d'Abraham et les serviteurs de Dieu. Et Yekpedo Jinoube Améola Ocho Abraham Bepoume Meoyonye Maoube Dotchala. La circoncision à leur époque était un signe d'obéissance d'Israélite à l'alliance de Dieu. À leur époque, la circoncision était un signe d'appartenance à Dieu qui leur permettait d'avoir part aux bénédictions de l'alliance. Donc si tu devais avoir part aux bénédictions de l'alliance, tu dois te circoncire. Et la circoncision à leur temps était une preuve de préparation spirituelle pour la conquête de la terre promise. Et Dieu a toujours voulu que son peuple rentre dans l'alliance avec lui. Et c'est pourquoi au temps de Jérémie, chapitre 4, à partir du verset 3, la parole de Dieu déclare: car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem: défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère ne s'éclate. Un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre. À cause de la méchanceté de vos actions, Dieu, au fil des temps, a fini par donner une compréhension de la circoncision à leur époque et le comparer à la circoncision dans le Nouveau Testament. Et la circoncision dans le Nouveau Testament parle de la circoncision du cœur. Et cela implique la repentance. Et cela implique le remords que nous sentons après avoir péché et après une prise de conscience de ce péché. Et cette repentance nous donne droit légal de revenir à notre Dieu. Et si nous revenons à notre Dieu, nous devons commencer par accomplir de bonnes œuvres. Et si Israël était dans la vallée de Jéricho, Israël le Jéricho balimé, si proche de ses ennemis, si proche de ses ennemis, si proche de ses ennemis, Israël devait être en état de patience. Explorer le pays et de suivre des fruits. Mais Dieu a dit: pas encore. Le temps n'est pas encore arrivé. Vous ne devez pas quitter Gilgal. Vous devez rester à Gilgal. Pourquoi devait-il rester à Gilgal? Israël a dû se sentir vulnérable. Il fallait toutefois rester tranquille et d'attendre. C'est là notre échec. Nous ne voulons pas rester tranquille. Nous ne voulons pas attendre.
ne voulons pas attendre Dieu. Nous ne devons pas manifester l'attente patiente. Nous ne voulons pas connaître le temps de Dieu. Le temps de Dieu est très important. Josué était un homme obéissant à Dieu. Il est obéissant à Dieu pour pouvoir accomplir cette tâche. À Gilgal, il fallait attendre. À Gilgal, il fallait se circoncire. À Gilgal, le temps qu'il te fait soigner cette plaie, et attendre la guérison, cela les permettait premièrement de réfléchir à leur relation avec Dieu. Comment il mène une vie d'intimité avec Dieu? Le peuple a une occasion de réfléchir sur la relation avec Dieu. Ce Dieu qui les avait fait traverser le Jourdain. Toutes les grandes choses qu'il a accomplies. Comment devait-il marcher avec Dieu? Quelle relation devait-il entretenir avec Dieu? Le peuple devait attendre là-bas pour la guérison. Une guérison totale. C'est un opprobre. Menace ton succès. Menace ta destinée. Alors, reviens à Gilgal. Trouve à Gilgal. Et à Gilgal, tu dois attendre. À Gilgal, tu dois faire la volonté de Dieu. À Gilgal, tu dois laisser le Seigneur manier le couteau de l'esprit pour circoncire ton cœur. À Gilgal, on traverse le mois difficile. À Gilgal, on est là-bas. On attend Dieu. On attend le jour que Dieu doit me dire là-bas. À Gilgal, on doit laisser Dieu manier son couteau spirituel. Nous circoncisons notre cœur. Et nous devons réaliser que les méthodes sanées anciennes, les vieilles habitudes, le péché d'autrefois, l'hypocrisie, la sournoisie, la haine, la cupidité, la culpabilité doivent être déposées et enterrées à Gilgal. La pauvreté doit être enterré à Gilgal. La maldition doit être enterré à Gilgal. Les succès doit être enterré à Gilgal. L'instabilité conjugale doit être enterré à Gilgal. À Gilgal, nous devons tirer un trait sur la peur. À Gilgal, Gilgal, nous devons tirer un trait sur l'incrédulité. Le doute réel et imaginaire. À Gilgal, Gilgal, nous devons mettre notre passé en règle. Si notre passé se dresse contre notre destinée, revenons à Gilgal. À Gilgal, Gilgal, le problème est ôté. À Gilgal, Gilgal, par la circoncision, Dieu avait roulé les nuages de culpabilité et de peur qui prenait au-dessus de la tête du peuple. À Gilgal, c'est comme si Dieu dit, oublions le passé, repartons sur de nouvelles bases. À Gilgal, Gilgal, Dieu te dit, c'est fini la honte. C'est à Gilgal. Le Gilgal. Dieu te dit, c'est fini. Ta faiblesse est déposée ici. À Gilgal. Le Gilgal. Gilgal maintenant. Gilgal est comparé à Golgotha. Golgotha. Gilgal. Gilgal est comparé à la croix. C'est à la croix que Christ a pris tes péchés. C'est à la croix qu'il a porté ton opprobre. C'est à la croix qu'il a transporté tes faiblesses. Et c'est à la croix qu'il a porté tes incompréhensions. C'est à la croix qu'il a porté tes incompréhensions.
tes imperfections. Et yo tcho nu wo wo manyo manyo tcho joy. Et c'est pourquoi. Et yata. À Gilgal. Le Gilgal. La défaite. Gege. Est roulée. On mule tcho. À Gilgal. Le Gilgal. Ton adultère. Wa hasi wo wa. A été ôté. On est tcho. À Gilgal. Le Gilgal. Les fétiches. Nous vaudou. Qui te suivait là. Et yo prono. Ils sont atterrés là-bas. On dit yo le Gilgal. À Gilgal. Le Gilgal. La mévente. Et nous massa massa. Est atterrés là-bas. On dit yo fou. À Gilgal. Le Gilgal. Le chômage. Et dans ma peau. On dit nos fous, à Gilgal, le Gilgal, la fécondité, et vie m'a dit, ma chère, on dit nos fous, le Gilgal, la moquerie, à l'homme de la moto, notre téléphone, maintenant, aïe, tu passes à une nouvelle dimension, amen, on est yuko comme yé, tu passes à une nouvelle dimension, on est yuko comme yé, tu reconnais une nouvelle ère, on trouve tout Jessie, non, mais yé, on remettra que, si tu as tué Jessie, le Gilgal, une heure a sonné, et amène sous, à Gilgal, le Gilgal, la cloche a sonné, et à Gadi, à Gilgal, le Gilgal, je te dis, Maoule Blono, va maintenant la coquette. Il n'avait Hanou. À Gilgal. Le Gilgal. J'ai fait de toi. Maoucho, so. Un enfant. Où c'est ton. Une femme forte. Et so, so. Non, nous calons. Le Gilgal. Je te dis, Maoule Blono, c'est fini la honte. Un vong père. C'est fini la honte. Un vong père. Voilà. Le Gilgal. Je te dis, Maoule Blono, si tu es abattu. N'aimons pas trop tiens, n'y pas. Reviens à Gilgal. Trouve à Gilgal. C'est à Gilgal. Le Gilgal. Et que. Eli. Qui est Elia? Élisée. Elisa. Devait aller. Et Dolaï. À Gilgal. Les Gilgal. Les choses. Et nous. Marchent très bon. Mais avant que les choses marchent très bon. Il va falloir la douleur. Elle le bena veut faire ce la souffrance. Aïe à Gilgal. Les Gilgal. D'appeler. Wabia. Amen. Elle a hodoyo. À Gilgal. Les Gilgal. Ta repentance. Oji metto trois. Elle a clon. Une alliance avec Dieu. À Gerenoubabla me koumaou. Les Gilgal. Tu dois avoir de nouvelles visions. Odola honou pokoye. À Gilgal. Les Gilgal. Tu dois surmonter. Odola bonou. Les épreuves. À Bododo Bota. À Gilgal. Les Gilgal. Josué. Joshua. N'a pas fêté Gilgal. Mets-toi pas de canne à Gilgal. N'a pas contourné Gilgal. Mets-toi pas de canne. La vie. Agbe. Ministériel. La vie sur terre. Agbe la est un miracle. Enye nukunu. Gilgal. Gilgal. Est un lieu de miracle. Enye nukunu vetepe. La vie. Agbe. Est une longue durée de succession de preuves. Enye dodo porto kade ono yo megasia gabi. Et pour vaincre. Enye benana dutia. On doit vaincre non pas dans les épreuves à éviter. Menye benane dodo po gbana mia toakba de kao. Mais dans les preuves à surmonter. Voilà dodo pa mais mia doji kaka mia fledo. Bien aimé dans le Seigneur. Loloto la peto la. Je dis à Jésus. Ma oule blona Yoshua. Ton problème. O vlo dodo a. Ote. O mule jo. O dessus toi. O mule jo le dio. Dans le Nouveau Testament. Le nubabla yeya mea. Paul pouvait dire. Paul a te mag blona. Dans Josué 5 verset 6. Le Yoshua. Le dans Galates 5 verset 6. Galates ta ma. Ton henle mea ma dembena. Oui. Elle a ben à le Christ Yesu mela ava chocho ma teu awa naneke o eye ava macho macho hanene make hafi bon hose si seun le lolon melai amen verset 9 ama sireke 11 en la mewere ke kenye la no viwo ne me gale de pas dem ava chochola nous kaunti o gale yo nyemetima ya ekema o de achicho gape nundia dia dacho amen car Jésus-Christ ni la circoncision ni les circoncisions n'a de valeur mais la foi qui est agissante par la charité dans le verset 11 pour moi frère si je prêche encore la circoncision pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Alors ici, l'apôtre Paul donne sa confirmation. L'étape apostolo Paul le doc peignati. Parce qu'il enseigne la repentance. Elle a bien elle fait à nous courir dimetatronti. Il est persécuté. Et taotiyomé. La repentance. Dimetatron. C'est la circoncision du cœur. Et yani avachochona miabedi. Dans le Nouveau Testament. Le nubabla yeyame. Et Paul a mis l'accent dessus. Aye Paul le doc peignawati. Il a mis l'accent dessus. Le doc peignji. Jean Baptiste. Johannes Mautideta na bela. Quand il est venu. Vous ferez le chemin. Benaya va ta mort. À Jésus. Na Yesu. Il dit répandez-vous. Eh ben mi trop le mi avec Jésus Christ est venu. Yesu Christ va. Il dit répandez-vous. Eh ben mi trop dit. Paul est venu. Paul va. Répandez-vous. Eh ben mi trop le mi avec Jésus. Il est venu. Petro va. Répandez-vous. Mi trop le mi avec seulement
suite à notre repentance, que nous prenons le royaume de Dieu. Si aujourd'hui nous avons des problèmes, c'est le manque de la repentance authentique. La sœur a surmonté et l'Esprit de Dieu est rabaissé. Alors, sans repentance, chacun court derrière son prochain. Mais si on le dit pas, ça pour le faire tomber. Sans repentance. Parce qu'on ne veut pas attendre à Gilgal. Tant Gilgal, c'est le poste dans lequel tu es. Tant Gilgal, c'est ta maison. Tu dois attendre. Pour une circoncision. Et après cette circoncision, la douleur là, ça passe. Afin que le propre de l'Égypte puisse passer. L'église dans laquelle tu es, on te renie, on te méprise. Tu dois attendre là-bas. Et le propre doit passer. Et les gens vont voir. Et le quartier dans lequel tu es. Tu dois attendre là-bas. Ceux-là qui t'ont vu. Avec le propre là. On te revoit. Avec la gloire. On marche. Là où ta marchandise. Est détruite. Madame, ne reste pas à la maison. Lève-toi. Va au marché. Ouvre le magasin. Commence à prier. Pour les étagères vides. Commence pas à prier pour les magasins. Pour les étagères. Dieu Seigneur. Les clients sont là. J'ai commencé par vendre. Avec foi. Paul a dit. Car en Jésus-Christ. Elle avait les circoncision. N'a de valeur. Mais voix. La foi qui est agissante. L'amour de Dieu. L'amour pour son prochain. Alors bien-aimé. Es-tu à Gilgal? Si tout ce te menace. Trouve à Gilgal. Tu verras que le problème sera ôté. Si tu as des maladies. Qui jette le poids sur toi. Reviens à Gilgal. Amen. Si les gens te quittent. Parce que ton père aussi n'a pas vécu dans la popularité. Reviens à Gilgal. Si les miracles ne s'opèrent plus. Reviens à Gilgal. Si à la division. Reviens à Gilgal. Si tu te trouves dans les faiblesses. Reviens à Gilgal. Au nom de Jésus. Si nous sommes en Jésus, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la RTJVA, cette nuit, je voudrais t'appeler, à revenir au Seigneur, à revenir à Gilgal. Le Seigneur
Seigneur. Aïe, appelle-toi. Opérer de grands choses dans ta vie. Là, on t'engage là. C'est pourquoi tu vas prier. Aïe, attends, les gars, tu vas revoir ta vie. On les a trop quoi, tu vas dire au Seigneur. Après, on appelle-toi, mais. Mes anciennes habitudes. N'y a nous, on a ho, ho, ho. Mes vieilles habitudes. Mes méthodes de Chanel. Aïe, tu l'as, mais nous, on va y aller. Mes péchés d'autrefois. Et nous, on va y aller. Mon hypocrisie. N'y a yéma nous, on va y aller. La manière dont je suis pressé. Allez, comme les petits dit, clac, clac, clac. Seigneur. Appelle-toi. Je vais les enterrer à Gilgal. Mais dis-moi, ma dis-moi, les Gilgal. Je suis à Gilgal, c'est mais les Gilgal, les aïe, Jésus. Et il y a souvent comme. Commence pas à prier. Cassis, bête, oh Seigneur. Nous sommes arrivés à Gilgal. Nous sommes arrivés à Gilgal. Nous sommes arrivés à Gilgal. Viva dans Gilgal. Nous sommes arrivés à Gilgal. Viva dans Gilgal. Oh Seigneur. Oh, appelle-toi. Oui. Mes méthodes Chanel. Et tu l'as, mais pas de béo, mais non. Mes Chanel à scène. Et tu l'as, mais pas de ho, ho. Les vieilles habitudes. Mais non, non, va dire ho, ho. Les péchés d'autrefois. Nous voyons, tu as tombé. L'hypocrisie. Aïe, mais nous, on va. La cupidité. Et le galon. Seigneur. Appelle-toi. Les traits caractéristiques. Et non, non, mais pas de blanc. Tu le vis Chanel. Et tu l'as, mais pas de non, mais pas de blanc. Oh Seigneur. Appelle-toi. C'est cette nuit. Et ça y a, mais. Je vais les enterrer. Mais tu m'as dit, oh. À Gilgal. Mais Gilgal. Je vais les déposer. Mais tu m'as à Gilgal, les Gilgal, sur la croix du calvaire. À Tichogam, c'est le calvaire. Seigneur. Et on nous si à nous. Tu as pris mes faiblesses. Tu as pris mes imperfections. Et on nous manions à nous. C'est pourquoi cette nuit. Aïe, t'as le sang, y'a mère. S'il te plaît. Et de Koukouna. Me voici devant toi. Et n'y a si l'un coup, mais. Je vais me dépouiller. Mais tu vas dans ma dégoût de quoi tout ce qui est à moi. Mais de nous, pas quoi, y'a le docu, y'a mère. Et y'a le con, con, tu. Au nom de Jésus. Et y'a souvent comme. Les mauvaises vies. Agbe non, non, pas d'aho. La drogue. Et n'a dit ta baille, y'a. La cigarette. La cigarette, y'a. L'alcool. Ah, oh, s'il te plaît. Ah, fait, toi, de coucou, la prostitution. L'impudicité sexuelle. La pire sournoisie. La cupidité. Le mensonge. La patata. La méchanceté. Le coupable. Creuser les fosses pour quelqu'un. Chercher à faire tomber quelqu'un. Manifester. L'opportunisme. Ah ouais, ben là, il y a si nous pas pas soit signé là, tu vas faire nos vies. Oh Seigneur. Oh, appelle-toi. Assis maintenant. Descends les saillants. En notre faveur. Descends, amis, amis, nous. Assis. Descends. En faveur d'une femme. Descends, amis, nous. Assis. Descends. En faveur d'un homme. Là où tu as débattu. Seigneur. Appelle-toi. Nous reconnaissons notre culpabilité. Je suis. Miamé, donc, miamé, bajo, bajo, mais n'y a pas de culpabilité. Miamé, fombo, miamé, donc, yo. Nous menace. Et miamé, fombo, ouais, les dons, on dynamique. Notre arrière-plan menace notre destinée. Notre arrière-plan menace notre conquête. Notre arrière-plan nous affaiblit devant le diable. Seigneur, celui qui mène sa vie dans le péché ne peut jamais voir la gloire, ne peut jamais voir le succès, ne peut jamais conquérir. Aussi te plaît, Seigneur. Oh, coucou, nous sommes à Gilgal. Ni le Gilgal. Nous sommes à la montagne. Ni le Toadji. De Golgotha. Ni le Golgotha avec Seigneur. Appelle-toi. Nous sommes à la croix. Ni la Ticho Gauti. Nous te voyons sur la ni croix. La Ticho Gauti. C'est toi qui as dit. Regardez-moi la croix. Comme la Ticho Gauti. Regarde-moi la croix. Comme la Ticho Gauti. Comme la Ticho Gauti. Regarde-moi la croix. Comme la Ticho Gauti. Seigneur. Appelle-toi. Nous te regardons la croix. Ni le la Tianti. Oh Seigneur. Oh, appelle-toi. Yeswe,
Seigneur. Voilà qu'a blona pétobe. Oh! Oh! C'est à Gilgal. Le Gilgal. Que tu as roulé l'opprobre de l'Égypte. Ya omli Égypte ben kmeada. Et dessus de ton peuple. Le haut du kobetame. Et qui leur a permis. Et y a aidé mon âme. D'avoir le pouvoir. Benawa honus. Pour affronter. Benawa chok banko. Les Cananéens. Cananito. Seigneur. Apeto. Ce qui constitue l'opprobre sur ma vie. Et nous y a vlododo la gbenyedia. Si c'est le célibat. N'ayez pas stromade. Si c'est l'instabilité conjugale. N'ayez pas stromade. Si c'est la stérilité. N'ayez pas quotidien. Si c'est la pauvreté. N'ayez pas hédadaye. Si c'est le succès. N'ayez pas djidjé makwamakwa. Si ce sont les dettes. N'ayez pas ferroudoué. Si c'est les capacités avancées. N'ayez pas naoutete manoame si bo ayingogbe. Si c'est le manque de foi. N'ayez pas hossebete verouame. Si c'est l'hérédité. N'ayez pas na dolé le prometoye. Si ce sont les malédictions. N'ayez pas sipodewe. Qui sont à l'origine de l'opprobre qui est jeté sur moi. N'ayez pas na vlododo que le digne a sipodé n'yebe josope. S'il te plaît, Seigneur. Mais de coucou na en fait. Ôte les de ma vie. De oda la gbenyeme. Roule les de moi. Au nom de Jésus, roule comme une natte. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, avec toi, Jésus, et cette nuit, les tout ce qui constitue l'origine de l'opprobre. Oh Seigneur, oh, avec toi, si c'est les malédictions, si c'est les succès, Seigneur, ôte-les de ma vie, ôte-les de ma vie, délivre-moi. De cette situation, roule de dessus moi le propre. Le propre qui a été jeté sur moi, ce qui a été cause de scandale. Et je suis devenu un sujet de moquerie. Oh Seigneur, les gens ne veulent plus me sentir. Les gens ne veulent plus s'approcher de moi. Parce que peut-être je dégage une odeur nocive. Oh s'il te plaît, je vais être affranchi. Je vais être libéré de la tête aux pieds. Si mon âme a été liée, délie mon âme. Si mon âme a été sur l'autel, l'autel négatif, qui m'appelle de sortir des crises, qui me font pleurer, qui m'enchaîne sur place. Oh, s'il te plaît, libère mon âme, délivre-moi, roule de dessus moi le problème, le problème de ma famille, le problème du passé, de l'oppression. Roule cette pointe. Roule de dessus moi. Cette honte qui plane sur ma vie. Ce qui s'annonce d'une manière négative. Les jugements perpétrés. Les mythes échecs. Seigneur, ne dois plus exister dans ma vie. Mais au contraire, je dois passer à une nouvelle dimension. Je dois aller de l'autre bord de la rive. Je dois mener à bien mon ministère. Les activités, mes affaires. Les choses doivent changer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bamu la tiano anabo kabe bamu la tiano anabo bamu la tiano anabo Yesu bamu sur ta poitrine. Tu as si daré wa kota. La main droite sur ta poitrine. Tu as nous si au daré wa kota. Seigneur. Apeto. Nous avions par le passé maintenu les anciennes habitudes. Et tu vas y amiller à benonodo daré. Les méthodes charnelles. Nous tirons mes benou en haut. Les vieilles habitudes. À benonodo le péché d'autrefois. Nous votchoto. L'hypocrisie. Aye menou wo. La cupidité. Et galon. La haine. Le foulele. Les rejets. Et nous bela mebo. Les divisions. Maman o. L'amour sélectif. Et lolo ike chana meme. Et ce qui fait que. Et yé webe. Ne pourrons pas attendre à Gilgal. Mi maten noté le Gilgal. Maintenant que tu nous as amené à Gilgal.
qui allait mener le plan, il va Gilgal. Nous voulons nous attendre là-bas. Midi même il y a notre territoire. Et à Gilgal. Nos péchés doivent être enterrés là. Il y a ben nous voulons la dire te déposer là-bas. Il y a des refus. Nos défaites. Il y a ben gégé. Nos défaillances. Il y a ben gégé. Nos imperfections. Il y a ben nous manio. La culpabilité. Il y a ben fond boubou mien le cœur. Mais vont. Qui plane au-dessus de nous. Et que les dioles t'amènent. Soit enterré. On est dioles les Gilgal. On est dioles les Gilgal. Au nom de Jésus. Les yeux souben comme. Les douleurs. Veuvez cesser. Doit passer à Gilgal. On aura dioles les Gilgal. Les contraintes et nous t'aider à me dire les oppressions et tes tyrannies doivent passer au de la joie et nous devons passer à l'autre et y est mis de la idée go que mais au nom de Jésus et y est souvent comme Seigneur appétant je prie les dogs béra pour les téléspectateurs des djidipé nous parlons les téléspectatrices nous soukounions nous autres cette nuit maintenant et ça y a zéré quatre recevez miho la vie éternelle agbem avant recevez miho la puissance qui roule de dessus vous le propre nous sait que la mort de dora les au nom de Jésus. La mévente et nous massa massa les dettes et fait nous doivent s'arrêter on doit la noter et céder la place à l'extension de votre marchandise à l'émergence les fonctionnaires et donc recevez le pouvoir d'élévation au nom de Jésus les hommes de Dieu les ministres de Dieu le propre qui était sur vous soit roulé au nom de Jésus que les défaites s'arrêtent. Que les malentendus s'arrêtent. Et nous, au nom de Jésus, maintenant passez à l'attaque. Passez à la conquête. Au nom de Jésus, tu dois reconquérir les territoires perdus. Ta destinée qui a été perdue. Au nom de Jésus, tu vas les retrouver. Ta gloire, ta puissance, ton onction, reçois-la. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Que la maladie cède la place à la guérison. Amen. À la santé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.